Bonjour, c'est Magique Pascal. Comment faire disparaître une carte? Aujourd'hui, je vous présente un tour de magie classique de la magie des cartes. C'est un tour de magie facile avec des cartes. C'est un tour sans préparation qui peut être effectué impromptu. C'est tout simplement un tour de cartes impressionnant pour les spectateurs qui seront acteurs de ce miracle. Je vous laisse regarder maintenant ce tour de magie. Pour la préparation, le jeu est mélangé par un spectateur. Une carte est choisie. Je vous demande de la retenir et de penser à cette carte très fort. Pour compliquer un peu le tour, je fais quelques mélanges. Voilà. Et maintenant, je vais tenter l'impossible. Je vais vous présenter quelques cartes. Alors si jamais vous voyez votre carte, je vous demande d'y penser mentalement. D'accord? C'est parti. Nous allons commencer avec 4 cartes. Le 9 de pique, le 3 de carreau, le 3 de cœur et le roi de carreau. J'ai ressenti comme une intuition, j'ai l'impression que dans ce paquet, il y a votre carte. Je vais maintenant essayer de la localiser. Nous avons ici le 3 de carreau. Le roi de carreau, le 3 de cœur et enfin le 9 de pique. Je vous confirme que votre carte est le 3 de cœur. Alors l'effet en lui-même est déjà très fort, vous trouvez pas? Mais la véritable magie commence maintenant. Regardez. Je claque dans mes doigts et instantanément, votre carte vient de disparaître. Plus de 3 de cœur. Votre carte a voyagé invisiblement de mon paquet dans le restant du jeu sur le tapis. Vous pouvez vous-même constater qu'il y a une carte face en l'air sur le tapis. Ici. Le 3 de cœur, votre carte. Merci, c'était Pascal Zivaco pour vous servir.